Bonjour et bienvenue sur la philosophie de combat, cinquième vidéo, cette fois-ci consacrée aux idées, théories et concepts. Le premier mot c'est idée. Idée vient du latin idea, qui lui aussi vient du grec idea, ça veut dire forme visible ou forme distinctive. Le radical c'est idein, qui veut dire voir. Définition d'une idée, essence éternelle et purement intelligible des choses sensibles. Ça veut dire, si vous voulez, essence éternelle. Alors une essence en philosophie, ça veut dire quelque chose de très précis. Je l'ai. Ce qui constitue la nature d'un être. Essence éternelle, donc ce qui constitue la nature d'un être de façon éternelle est purement intelligible, c'est-à-dire purement atteignable par l'intelligence des choses sensibles, des choses que l'on peut percevoir avec ses sens. J'aime pas trop cette définition parce que, en fait, elle est très platonicienne. Déjà, essence éternelle, il y a le mot éternel qui me gêne beaucoup parce que je pense pas que, malheureusement, les idées soient éternelles. Et purement intelligible, des choses sensibles. Alors, purement intelligible des choses sensibles, c'est-à-dire que nos sens, ressentent un certain nombre de choses et on va se former des images puisque, comme je l'ai dit, idée vient de idea, aiden, qui veut dire voir. Donc, si vous voulez, ça serait, l'image, la substance de ce que l'on peut voir. Alors, ce mot en philosophie, essence, si vous voulez, pour vous le résumer, c'est l'idée que, imaginez-vous, l'idée. Fermez les yeux, imaginez par exemple une ratatouille. Dans la ratatouille, eh bien, vous avez tout un tas d'ingrédients. Eh bien, si vous prenez ces ingrédients les uns après les autres, dans l'idée pure de ratatouille, il y a un certain nombre d'essences qui sont, on va dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on met dans l'aubergine, le concombre, les tomates et ces genres de choses. Donc, essence éternelle, alors le mot essence me gêne un petit peu parce que ça revient vraiment à un vieux vocabulaire de la philosophie. Éternel, je suis pas d'accord parce que ça c'est une vision très platonicienne des idées. Purement intelligible, c'est-à-dire uniquement atteignable par la pensée, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut que travailler les idées avec son esprit, mais cette définition-là oublierait que c'est un corps qui perçoit des choses et notre esprit va les penser. Alors, ça voudrait dire qu'on sépare ce qui est purement atteignable par la pensée et ce qui est purement atteignable par nos sens. Or, c'est une erreur parce que si vous supprimez les... Quelqu'un qui n'a jamais pu voir a une idée d'un arbre, mais il l'a jamais vu. Et peut-être qu'il va imaginer quelque chose de complètement différent que ce que quelqu'un qui a pu voir un jour un arbre peut imaginer d'un arbre. Donc, je pense qu'il y a une relation entre le corps qui est sensible et qui ressent la nature autour de lui et la façon dont on le perçoit dans notre esprit. Donc, c'est pas purement intelligible, c'est intelligible et sensible, une idée. Surtout qu'une idée peut nous faire souffrir notre corps, l'idée de l'amour peut vous faire souffrir, l'idée de la haine, l'idée de tout un tas de choses. Et certaines idées sont, même rien quand on les pense, je sais pas, la misère dans le monde, ce genre de choses, ça nous atteint aussi. Donc, c'est pas des essences éternelles, c'est et pas purement intelligible. On va dire plutôt des idées, ce sont, je reviens plutôt au grec, hein, je préfère toujours un peu plus le grec, plutôt ce qui est de l'ordre de la vision. Si on ferme les yeux et on imagine des choses, eh bien, on va avoir, si vous voulez, une vision, et cette vision, on va appeler ça une idée. Pour vous donner un exemple, je vais vous demander de ne pas faire quelque chose. C'est très important que vous ne pensiez pas à, je sais pas, ne fermez pas les yeux et ne pensez pas à un éléphant rose, par exemple. Vous n'imaginez pas un éléphant rose, vous n'imaginez pas qu'il soit un souriant, qu'il a un chapeau de clown, qu'il ait des pattes toutes roses, qu'il rigole, qu'il lâche de l'eau sort de sa trompe un peu partout et ça gicle partout. Vous n'êtes pas en train d'imaginer un éléphant rose. Merci d'imaginer. Je pense que ça marche bien ça. Donc vous êtes en train d'imaginer un éléphant rose. Eh bien, l'image de cet éléphant rose que vous avez dans votre esprit, c'est ça une idée. Et je pense pas que ça soit purement intelligible, parce que tout simplement en m'écoutant, vous avez eu cette idée qui est venue à votre esprit. Et donc plutôt les idées, c'est les images, on pourrait dire les visions serait peut-être une meilleure façon de le dire, les images qu'on a dans la tête, ou les sensations. Qu'on a dans la tête, mais comme on peut pas dire qu'on a des sensations dans la tête, on va dire qu'on a des idées. C'est beaucoup plus clair. On peut remarquer que le mot idée vient de l'idée de voir. C'est-à-dire que, comme je l'ai souvent dit, l'arbre chez Platon, c'est l'image de l'arbre qu'on a. Voilà. C'est pas l'arbre réel. Alors, c'est une erreur de faire une distinction entre les deux, même si,
c'est pas, il a pas tout à fait tort Platon, mais on verra ça plus tard. Ensuite, théorie, pardon, ça vient, c'est-à-dire science de la contemplation, ça vient de théoria, du latin, et en grec ça fait théorein, qui renvoie toujours à la contemplation. Alors on peut contempler le monde de plusieurs façons, souvent c'est les yeux qu'on utilise, mais aussi on peut approcher le monde en fermant les yeux et en contemplant le monde d'une façon auditive ou en touchant l'herbe dans les prés, ce genre de choses. C'est aussi une autre façon de contempler. Il n'y a pas que les yeux pour contempler. D'ailleurs, les gens qui pensent que Dieu existe, ils voient pas Dieu, ils le ressentent, mais d'une façon qui, on va dire, l'ordre du sixième sens. C'est quand on fait une prière, on parle dans son esprit, on s'adresse pas directement à Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc, contempler, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, science de la contemplation, ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou moins organisés, appliqués à un domaine particulier. Donc la théorie des cordes, la théorie de, je sais pas moi, chez Marx, comment on appelle ça, de la révolution prolétarienne et toutes ces choses-là, c'est un ensemble d'idées qu'on met les unes après les autres, qu'on relie entre elles, et ça nous donne une vision, une contemplation, une façon de voir le monde, et encore contemplation revient, sens de la contemplation, entre parenthèses, revient à l'idée du philosophe grec chez Aristote, qui serait celui qui contemple la nature, mais bon. Passons. Donc, on met un ensemble d'idées ensemble, on les relie entre elles et on a une théorie. Vous pouvez vous-même essayer d'imaginer qu'est-ce que vous allez faire demain, par exemple. Vous pouvez théoriser, là aujourd'hui on est le 29 août, ben, vous pouvez théoriser la journée du 30 août. Alors, vous allez, voilà, je me lève le matin, donc vous avez le réveil, vous pouvez imaginer tout ça dans votre esprit, théoriser votre journée de demain et ça vous donnera une belle théorie sur ce que vous allez faire le 30 août 2012. Et donc, enfin, concept de conceptus, latin conceptus, décancipere, ça veut dire recevoir, représentation mentale générale et abstraite d'un objet. Alors, idée est plus générale, concept renvoie, si vous voulez, plus à un objet. Donc, vous pouvez utiliser l'un à la place de l'autre, ça gêne pas. Il y a toute une histoire derrière le fait qu'on utilise le mot idée qui est plus ancien et le mot concept qui est plus récent. Mais on va dire que c'est plutôt, ça s'adresse à un objet. Ça change pas énormément de choses. En tout cas, pas pour l'instant. Si vous voulez, la différence entre l'idée de la table renvoie à une vision plus générale de la table, alors que le concept de la table renverrait plutôt à un objet plutôt qu'à une idée, plutôt qu'à quelque chose on va dire, de pur et d'absolument abstrait, c'est une idée. Le concept de table renvoie plus à la table réelle qu'à l'idée pure de la table. Donc, pas besoin non plus de rentrer tôt dans ces détails-là. Alors, mais d'où viennent ces idées? Je pense que c'est très important d'où viennent ces visions, ces choses qu'on a dans la tête, dans notre esprit. Alors, il se trouve que le corps humain a cinq sens. Je reviendrai plus tard sur ces cinq sens en détail. On a un cerveau qui est capable de recevoir des informations de l'environnement qui l'entoure. C'est-à-dire que quand on voit des choses, on va après avoir une représentation dans notre esprit. Quand on ressent des choses, on va avoir une représentation dans notre esprit. Et il se trouve que, si vous voulez, notre cerveau a cette capacité de retenir l'information et de graver cette information dans notre mémoire vive. On dira, alors je sais plus quelle partie du cerveau c'est, mais on va dire ça grave l'information dans le cerveau pour aller vite. Et vous savez que dans la nature, il y a tout un tas de choses que l'on peut recevoir. C'est-à-dire que on peut voir un certain nombre de couleurs, on peut entendre un certain nombre de sons, mais on ne peut pas voir toutes les couleurs. C'est-à-dire que quand vous allez dans les ultraviolets, qu'est-ce que je raconte? Dans les, c'est quoi les deux extrémités? C'est les infrarouges et les ultraviolets. Après, vous ne pouvez plus voir et avant, vous ne pouvez pas voir. C'est-à-dire que l'œil humain est capable d'avoir un spectre de couleurs qui est déterminé, mais on ne peut pas voir toutes les couleurs. C'est-à-dire que votre cerveau est branché, entre guillemets, sur cette fréquence de couleurs que vous pouvez distinguer avec vos yeux. C'est pareil pour les sons, il y a des sons que vous ne pouvez pas entendre. J'ai lu très récemment sur Internet qu'apparemment
les éléphants étaient capables, comme nous, de parler, mais ils parlaient sur une fréquence qu'on ne pouvait pas entendre. Alors, parler, c'est un grand mot. Disons qu'ils émettent des signaux qui sont audibles pour les autres éléphants à plusieurs dizaines de kilomètres. Ah non, à jusqu'à 10 kilomètres. Et donc, si vous voulez, on n'est pas branché sur la même fréquence que, je sais pas moi, les dauphins ou les éléphants ou les fourmis. On transmet des informations avec notre voix sur une certaine fréquence. Les chiens peuvent nous entendre, par exemple. Mais tous les sons que produisent tous les animaux, on ne les entend pas. Donc on ne peut voir qu'une partie du réel, si vous voulez. Si vous voulez, no notre cerveau a cette capacité de voir une partie du réel. Il y a d'autres façons de voir ça. Par exemple, pourquoi est-ce que le cerveau humain est tellement accro à la nicotine? Et pourquoi, si on allait dehors dans le jardin et on fumait l'herbe, pas l'herbe qu'on fume dans les coffee shops à Amsterdam, mais bien sûr l'herbe, le gazon, si on fume le gazon, ça nous fait rien du tout. Si on fume du tabac, eh bien, il se trouve que la nicotine se trouve dans le tabac. Notre cerveau a une façon de réceptionner cette information, ou d'être excité ou endormi par la nicotine, ou on dira ce qu'on veut. Eh bien, il se trouve que notre cerveau a une capacité de recevoir des informations venant de la nicotine. Et on en reçoit de nos yeux, de nos oreilles, de notre sensibilité, de tout un tas de choses. Et donc, notre première chose à dire, le cerveau est conçu d'une façon à partir de laquelle il peut recevoir des informations, et ces informations, parce qu'il y en a plein qui nous traversent tout le temps, on y est sensible. Vous savez peut-être que la lumière, alors je sais pas quelle taille, mais la Terre est constamment bombardée d'atomes de lumière, de rayons gamma, je sais pas quoi, enfin j'ai pas les termes techniques en bouche. On est sans cesse constamment bombardé de ces rayons solaires, etc. On le ressent par une certaine chaleur sur notre peau, mais il y a beaucoup de rayons qui passent à travers notre corps qu'on ne ressent jamais. Il y a beaucoup de sons que nous n'entendrons jamais et beaucoup de couleurs que nous ne verrons jamais. Bref, il y a beaucoup de choses que nous ne sentirons, nos sens, nous ne sentirons jamais. Mais tout ce qu'on peut ressentir, eh bien, ça va avoir une influence sur notre cerveau. C'est-à-dire que par rapport à l'environnement qui nous est extérieur, on n'est pas comme de l'eau et de l'huile, on est plutôt comme de rouge et le bleu. C'est-à-dire que l'eau et l'huile, eh ben, ça reste séparé. Vous mélangez de l'eau et de l'huile, eh bien, les deux vont se séparer au fur et à mesure. Par contre, on est plutôt comme, avec notre environnement, comme des couleurs. On se mélange, et quand vous mélangez du rouge et du bleu, ça ne reste pas séparé, ça se met ensemble et ça fait du violet. Et donc, on reçoit des informations, on est capable de les interpréter, parce que notre cerveau est conçu comme ça, et cette interprétation, on va en garder une trace en mémoire dans notre cerveau, et si vous voulez, c'est toutes ces représentations-là, toutes ces visions, toutes ces choses qu'on ressent dans notre esprit va en garder une trace sous la forme, on va dire, sous la forme d'idées. Et voilà. Pourquoi est-ce que les Grecs ont utilisé un vocabulaire qui renvoyait au domaine de la vue? Alors ça, je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont dit la vue. Peut-être parce que c'est tout simplement le sens, si vous voulez, sur lequel on peut le mieux communiquer. Savoir, on peut facilement communiquer sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on entend. On a beaucoup de mal à communiquer entre nous sur ce qu'on ressent. Malheureusement d'ailleurs. Si vous voulez, le vocabulaire de la vue, souvent, sûrement parce que alors bon, après faut prendre ça avec des pincettes, mais les hommes s'expriment beaucoup plus avec un vocabulaire qui renvoie à la vue, et comme c'était si vous voulez le type de communication dominante et dominant dans la population générale, et chez comme les philosophes faisant partie de la population en général, eh bien les philosophes en général avaient plutôt tendance à s'appuyer sur ce qu'ils voyaient, comme la plupart des gens de toute façon. Et donc, si vous voulez, quand ils fermaient les yeux, ils avaient des idées et ils essayaient d'appeler ça. Et si la meilleure façon de communiquer, qui est la plus universelle, c'est de parler de ce qu'on voit. Donc c'est sûrement pour ça quand on pense aux idées, à ces choses-là, on renvoie au vocabulaire de la vue. Et donc, cette vue-là, on va pas voir. J'aurais pu dire les idées, on aurait pu dire des visions. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on va utiliser plutôt des notions plus abstraites, comme des formes. C'est pour ça que j'ai dit forme visible, forme distinctive, quand je parlais des idées. Donc, on utilise ces idées et on les voit comme des formes dans notre esprit. Par exemple, très bon exemple qui me vient du livre, je crois, qui s'appelle Le Monde de Sophie, je crois. Je l'ai pas à côté.
C'est ça, le monde de Sophie. Eh bien, dans ce monde de Sophie, hein, il parle un peu de... C'est très intéressant, hein, c'est vraiment un bon livre à lire. Pour démarrer avec la philosophie, c'est bien écrit, c'est sympathique. Donc, pensez à ça. Imaginez un boulanger qui veuille faire son pain. Eh bien, comment le boulanger peut-il arriver? Alors, dans l'exemple du livre, c'est des petits gâteaux en forme de bonhomme. Mais eh bien, comment on arrive à cette pâte informe? Et on en fait des petits bonhommes, on les met au four et ça fait des gâteaux en forme de petits bonhommes. Eh bien, tout simplement parce que le boulanger a l'idée du petit bonhomme, un peu comme, je crois, ce qui est utilisé, c'est le terme, comme vous avez un moule, eh bien, vous étalez votre pâte et vous mettez ce moule et puis vous allez faire des petits bonhommes. Eh bien, le boulanger a cette, sans avoir ce moule en ferraille qu'on utilise aujourd'hui, mais il a, avant de créer la baguette, avant de créer la pâtisserie, il a cette idée de la pâtisserie dans l'esprit, et avec, ses ingrédients, il va réussir à créer cette pâtisserie. Et, si vous voulez, avant de créer la baguette de pain, il faut avoir l'idée de la baguette de pain. Eh bien, on va se poser la question, mais à la base, d'où peut venir cette idée de la baguette de pain qui permet au boulanger de faire du pain? Mais c'est pas, il a pas créé, on ne crée pas l'idée à chaque fois qu'on veut faire du pain. On l'a en tête, on a cette forme en tête distinctive de la baguette de pain. Et quand évidemment le boulanger va faire son travail, il va nous sortir des baguettes de pain. Eh bien à la base, il a l'idée de cette baguette de pain. Je me répète, désolé. Et donc, d'où vient cette idée? Alors de toutes les choses qu'il y a dans votre esprit et dans votre cerveau, il y en a, on va appeler ça les idées. Ces formes-là, eh bien, elles viennent de plusieurs sources, elles viennent de plusieurs endroits. Les premiers types d'idées, ce sont les idées innées. C'est-à-dire, si vous voulez, le logiciel de base, un peu comme un ordinateur, on a le logiciel d'exploitation, eh bien, dans notre esprit, quand on est, on a un logiciel de base, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, et souvent, d'ailleurs, on dit pas des idées innées, on dit des sentiments, tout simplement. Il y a tout un tas de sentiments avec lesquels nous naissons et qui vont être importants, on va voir pourquoi. Donc, comme j'ai dit, les idées que j'appelle innées, donc tout ce qui est sentiments, émotions, tout ce qui est nécessaire à notre naissance. Donc, j'ai repris tout simplement ce que j'ai trouvé sur Wikipédia parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'essayer de faire mieux ou que ce qui a été fait avant. Je pense que c'est assez juste, hein, c'est la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, la surprise et le mépris. C'est souvent ce qui nous caractérise à la naissance. Personne n'a appris à être joyeux, même si on peut apprendre à se réjouir. Enfin, personne n'a appris à avoir peur, c'est naturel. Personne n'a appris à être colérique, c'est naturel. Tout ça sont des choses naturelles. Pour les choses un peu plus compliquées, on va mixer un peu comme on mixe des couleurs, toutes ces émotions de base. C'est-à-dire, vous prenez de la surprise et de la joie, ben ça peut être le sublime ou l'admiration. Si vous prenez le mépris et la colère, ça peut être de la jalousie, par exemple. Voilà. Donc, je sais qu'on pourrait me dire que je fais une erreur en disant que ce sont des idées, mais il me semble que, comme c'est distinctif dans l'esprit humain, on peut dire que c'est une forme distinctive d'une partie de notre cerveau, le colère, la surprise, mépris, etc. Donc, si vous voulez, c'est essentiel à notre survie. Et ça, c'est important. Et dans toute la philosophie de combat, le mot de survie va être très important parce que je pense que le fait que l'être humain ait envie de vivre beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes. Donc, on a besoin de ces idées innées, que ce soit au niveau d'une personne ou même d'une nation, parce qu'une nation ou une personne qui ne connaîtrait jamais la joie, eh bien, je pense qu'elle finirait par tomber en dépression et finirait par mourir. Une personne, une nation qui n'a jamais peur, eh bien, prendrait trop de risques et finirait par mourir aussi. Enfin, ne survivrait pas correctement, si vous voulez. Le dégoût, c'est pareil. Si vous êtes dégoûté par rien, vous finissez par manger n'importe quoi et vous mourrez intoxiqué. Et pareil, si vous voulez, une personne ou une nation qui n'est incapable de colère ou de mépris, eh bien, est aussi condamnée parce que à un moment donné, face aux actes de la nature, ou face à ce qui nous arrive, si on n'est jamais capable de ressentir de la colère, eh bien, on finirait par, si on est toujours dans la joie, en quelque sorte, eh bien, si on n'arrive jamais à s'énerver, on n'arrive pas à se défendre, à se battre, ou
si vous voulez, à trouver l'énergie en soi, dans ses émotions de base, pour faire parfois des trucs qui sont, je sais que la colère n'est pas toujours une bonne chose, mais c'est important pour survivre. Si une nation qui n'est jamais en colère, c'est une nation qui n'a jamais envie de se venger des outrages qu'on lui a fait. C'est une personne qui ne s'énerve jamais. Alors c'est génial, hein, si vous êtes comme ça, mais si vous voulez, on peut vous cracher dessus toute la journée, vous ne pouvez pas vous énerver. Puis vous finissez forcément par, à un moment donné, vous faire... Vous n'êtes pas capable de vivre correctement dans ce monde. Vous remarquez que souvent, les émotions de base sont plutôt, entre guillemets, négatives que positives. C'est-à-dire que vous avez la joie, et puis le reste, c'est la tristesse, dégoût, peur, colère et mépris. À la limite, vous avez que la joie et la surprise, et puis tout, quoi qu'une surprise peut être autant positive que négative, mais tout le reste, c'est, si vous voulez, plutôt des mécanismes de défense. Et on a, si vous voulez, des mécanismes de défense, tristesse, dégoût, peur, colère, surprise et mépris, et un mécanisme qui nous permet quand même de trouver ce monde agréable, qui est la joie. C'est peut-être pas par hasard que l'être humain n'est pas qu'un être mauvais, mais c'est ou un être sur la défensive, mais aussi un être qui est capable d'apprécier le monde tel qu'il est, de s'apprécier soi, d'être joyeux, quoi. De rire et ce genre de choses. Alors pensez aux idées innées, c'est-à-dire aux formes qu'il y a dans notre esprit à la base. Un bébé qui pleure, par exemple, c'est génial. C'est génial parce qu'un bébé qui pleure, c'est un bébé qui va, sans le savoir, sans avoir théorisé quoi que ce soit, le bébé pleure. Eh bien, c'est bon déjà parce qu'il n'a pas trop d'autres moyens d'expression, mais ça compte aussi. Mais un bébé pleure, c'est un bébé qui va actionner les mécanismes de la mère niveau positif pour lui, c'est-à-dire que la mère va avoir cet instinct maternel qui va être de protéger son nouveau-né, son bébé. Et lui, pour actionner ce mécanisme, donc qu'il n'a jamais théorisé, il ne l'a pas étudié dans un livre, c'est juste comme ça qu'il perçoit le monde. Et ça renvoie, je veux dire, un bébé n'a pas de notion de mère, n'a enfin pas de façon distinctive dans l'esprit, mais il a un certain nombre de mécanismes qu'on a à la naissance qui sont géniaux parce qu'ils nous permettent de survivre mieux, d'être capable de pleurer. Ça, la mère vient nous donner le biberon aujourd'hui, c'était tété le sein il n'y a pas si longtemps que ça. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, il y a tout un tas de choses qu'on sait faire à la naissance qui sont d'un point de vue stratégique assez bien vues quand même. Donc, on voit que l'être humain naît avec un logiciel de base nécessaire à sa survie. Il y a aussi, c'est pas vraiment des idées, c'est les actes qu'on fait sans y avoir réfléchi. Le fait de respirer, le fait de savoir téter les seins de sa maman quand on est un bébé, tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre du génie humain ou du génie de la nature des animaux, sans lesquels, on peut dire du génie, c'est tout simplement naturel. Sans ça, on ne pourrait pas survivre. Et puis au fur et à mesure, on va se mettre à avoir un apprentissage, mais jamais oublier que dans son esprit, on a toujours ces idées de base, et puis une partie de la philosophie de combat, ça va être quand même de les maîtriser. Après ces idées innées, on a les idées que j'appelle les idées floues. Les idées floues, c'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, le sentiment d'une idée, on perçoit des choses, mais qui restent floues, qu'on a du mal à nommer. Alors, soit parce qu'on n'a pas tout simplement, on ne connaît pas le mot pour nommer cette chose, soit on a donc on n'a pas le mot ou les mots pour le dire. Donc ça, souvent, on est bloqué par des choses parce qu'on n'arrive pas à les dire. D'où l'intérêt peut-être de la, si vous voulez, de la psychanalyse, parce que ça permet d'avoir un peu dans sa vie le temps de chercher et de trouver les mots. Qui vont nous permettre de, tout en donnant un mot à un problème, pas de le guérir évidemment, mais au moins d'avoir des mots pour dire les choses. Ça fait que les idées qui nous affectent sont un peu moins floues, elles sont un peu plus claires, surtout quand on a les mots qui viennent pour les décrire. Donc, les idées floues, alors ça peut être parce qu'on n'a pas le vocabulaire, ça peut aussi être tout simplement parce que même en avançant dans le temps, eh bien si on ne fait pas des recherches, on ne fait pas un peu de travail, on finit par toujours avoir un peu des notions floues. C'est vrai que on peut vivre ou ressentir beaucoup de choses, si on n'a pas le mot pour le dire, c'est toujours problématique et on a du mal à devenir plus mature ou à avancer intellectuellement si on n'a pas toujours un certain nombre de mots pour pouvoir penser ou mettre un mot sur ce qu'on avait pressenti, mais si on n'a pas le mot, on a du mal à voir ça clairement. D'où parenthèse, peut-être qu'il n'avait pas tort quand Gilles Deleuze disait un philosophe, c'est un créateur de concepts.
C'est celui qui va trouver le mot pour dire les choses, si vous voulez, de la façon à ce que soudainement, quand on a dit le mot, les choses deviennent un peu plus claires dans notre esprit. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, c'est, on va dire, quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt, dans le sens où ça nous permet de réfléchir sur ce que peut faire, entre autres dans sa vie, un philosophe, ou quelqu'un qui se réclame de la philosophie, ou même un philologue, ou ce genre de choses. Donc, les idées floues, alors n'oubliez jamais que c'est pas en grandissant que les idées deviennent claires, c'est un peu en étudiant, et beaucoup de gens, malheureusement, ont beaucoup d'idées floues, ils ressentent des choses, mais ils savent pas dire ces choses-là, ils savent pas les exprimer. Et souvent, on vit, on vieillit, on meurt, et on reste avec des idées floues, ce qui est un peu dommage, parce que quand on a des idées floues, c'est comme j'avais pu le dire, quand un petit garçon qui a peur des filles, parce qu'il a de mauvaises représentations, il manque un peu d'expérience, ou il est dans une pièce qui est toute noire, eh bien, si on n'a pas les mots pour voir les choses, eh bien, on reste un petit peu dans le flou, et on risque de passer à côté de certaines choses de sa vie qui pourraient être extraordinaires, belles, etc. Il suffirait juste d'avoir un petit peu le mot, les mots pour pouvoir le dire. Ensuite, il y a les idées acquises. C'est heureusement la plupart de nos idées sont acquises, c'est-à-dire qu'on a le mot pour le dire, on a une image un peu plus claire, elle n'est pas floue, elle est, on va dire, on a une définition en tout cas, on a le mot et à peu près la définition qui va avec. Et quand on a un mot et une définition pour quelque chose qu'on a dans notre esprit, on est capable très facilement d'en parler, d'avoir les mots pour le dire, de s'exprimer, d'échanger avec les autres. Et si vous voulez, vaut mieux avoir, quand on réfléchit, des idées acquises, on va dire, ou si vous voulez, la perfection de notre connaissance de cette idée soit la maximum possible, d'où les dictionnaires, c'est vraiment une très bonne chose, d'où Wikipédia, ou tout un tas de choses, quand on va faire ces recherches-là, ou quand on va aller voir ces choses-là, on va changer ces idées floues en idées acquises. Et quand on a des idées acquises, c'est vrai que c'est plus simple de réfléchir, on se balade beaucoup plus facilement dans son esprit, quand les choses sont acquises, sont plus claires, on a au moins une définition, on a aussi une image dans notre esprit pour nous représenter cette chose. Alors, je vais nuancer tout ce que je dis en disant que la plupart des idées acquises dans notre esprit, malheureusement, sont fausses. Sont fausses parce que souvent on a la mauvaise information, on n'a pas assez réfléchi, on croit qu'on a une bonne définition alors qu'il en existe d'autres d'un même mot, donc on n'est pas assez au point avec ses idées. Et si vous voulez, souvent les gens ont tendance à dire que plus ils vieillissent ou ils prennent de l'âge, plus le monde leur paraît compliqué, difficile, etc. Moi j'ai subi exactement je pourrais dire exactement l'inverse, c'est-à-dire que plus j'avançais en âge, plus les choses étaient simples, tout simplement parce que je finissais par avoir tout un tas de vocabulaire et tout un tas de mots pour décrire le monde autour de moi, pour pouvoir y réfléchir. Et c'est vrai que plus vous maximisez votre connaissance des idées et des mots qui vont avec, parce que les choses sont liées, d'où, entre parenthèses, le fait de parler une certaine langue vous donne une certaine vision du monde, parenthèse fermée. Et si vous voulez, les idées, quand elles sont bien acquises dans notre esprit, on peut en parler, on peut les utiliser. Je nuance encore, souvent toutes les idées qu'on croit avoir acquises sont fausses, tout simplement parce que y a des biais idéologiques, il y a tout un tas de choses, vous n'avez pas souvent pas fait les recherches vous-même, et quand on ne fait pas les recherches sur des idées ou sur des mots ou des théories soi-même, eh bien souvent on a les autres qui le font pour nous, et les autres qui le font pour nous, ils ont une histoire, ils ont des tropismes, c'est-à-dire ils sont naturellement attirés vers certaines choses ou certaines réalités. Ils ont des, on va pas aller trop compliqué. Ils ont une façon de voir les choses qui leur est propre. Et si vous vous arrêtez à leur vision du monde ou leurs idées, eh bien vous allez avoir des idées qui sont certes acquises, mais par rapport à une certaine vision du monde. Comme j'ai pu dire, les exploités ou les feignants, ce genre de choses. Vous pensez avoir une idée acquise de ce que peut être un chômeur ou une idée acquise de ce que peut être tout un tas de choses. Vous connaissez l'ontologie du jeune de banlieue et toutes ces choses-là. Eh bien, méfiez-vous parce que souvent vous connaissez ce qu'on vous en a dit et pas que votre expérience ou pas que vos propres recherches personnelles. Parce que par rapport à un problème, par rapport à tout un tas de choses, à l'amour, à ce genre de... On va prendre l'amour, très bon exemple. Par rapport à l'idée de l'amour ou l'émotion inné qui est l'amour, même si l'amour ce serait plusieurs choses en même temps, disons que par rapport à ça, il y a l'amour selon un tel, l'amour selon machin, et moi ce qui m'intéresse, c'est que vous, dans votre propre existence, vous réfléchissiez à qu'est-ce que peut vouloir dire l'amour pour vous. C'est ça qui est intéressant.
sachant qu'il faut changer, ajouter à ça, l'idée de l'amour change au fur et à mesure du temps, mais ça on l'a déjà vu. Donc, faut se méfier des idées acquises, c'est bien d'avoir une définition, c'est bien de voir les choses d'une façon claire dans son esprit, parce que ça nous permet de discuter, de penser plus clairement. Mais il reste un problème, c'est que souvent on a tout un tas de biais, on croit savoir avoir acquis des choses qui sont souvent mal acquises, et puis mal acquis ne profite jamais. Non, je plaisante. L'idée, c'est que vous augmentiez votre niveau comment dirais-je? L'idée, ça serait que la plupart des idées que vous croyez acquises sont souvent des idées en fait floues, c'est-à-dire des idées que vous ressentez très bien dans votre esprit ou dans votre corps, mais que vous avez beaucoup de mal en fait à donner. Et dites-vous souvent que quand vous croyez connaître des choses, c'est souvent des idées floues. Et si vous pensez avoir des idées acquises, n'hésitez jamais à ce moment-là à les remettre en question pour améliorer, si vous voulez, la qualité de cette idée. Et une idée qui est souvent répandue en France, c'est l'idée de justice, par exemple. Tout le monde veut faire le bien d'autrui. C'est génial, moi j'aime bien vivre dans ce pays où tout le monde ne pense qu'aux autres. Mais maintenant, quand vous demandez à quelqu'un de définir qu'est-ce que c'est la justice, ou d'essayer de remettre en cause ce qu'il pensait de la justice, souvent vous atterrissez sur des blocages, parce que les gens ont des sortes d'ontologies, ils croient que l'idée de justice c'est ça, ou ils ont une idée, une bonne définition, une bonne façon de faire par rapport à leurs idées acquises sur la justice. Et si vous travaillez un peu sur ces idées-là, vous vous rendez compte que toute votre construction mentale n'est souvent pas si solide que ça. Elle est solide tout simplement parce que vous ne vous remettez pas en question. Quand on commence à remettre en question sa construction intellectuelle, eh bien, il va falloir beaucoup travailler, c'est souvent assez pénible. Et puis, tout simplement, on est un peu fainéant, on n'a pas envie de le faire. On préfère rester avec des idées floues, mal comprendre le monde et mal communiquer avec ses idées, alors qu'il est tellement plus intéressant d'avoir des idées acquises. Et pour ça, il va falloir bosser. Le dernier petit idée est assez simple à comprendre. Ça, c'est des idées qui intéressent plus les scientifiques. Ce sont les idées théoriques, ou ce qu'on peut aussi dire les idées pures. C'est-à-dire que si je vous parle de la table par rapport à vos idées innées, vous allez avoir des certain nombre de sentiments qui remontent à la surface par rapport aux tables. Vous aimez bien les tables parce que ça nous permet de manger sur une table. Ça nous permet d'être tous à la même distance, tous à la même hauteur les uns par rapport aux autres. Ça permet des tas de choses. Ça permet de poser des plats. C'est plus confortable d'être assis devant une table, etc. Vous allez avoir des tas d'émotions par rapport aux tables en bois. Puis vous aimez bien le bois parce que c'est un matériel noble et ce genre de choses. Les idées floues de la table, c'est vous avez une idée floue, vous pensez que les tables c'est à peu près un machin en bois avec des pieds, enfin bon, souvent les gens ont une idée acquise de la table, on est d'accord. L'idée acquise de la table, c'est une table, c'est un rectangle en bois avec quatre pieds sur lequel on peut poser voilà, c'est ça une table. Maintenant, on peut aussi dire une table, ça peut être en des tas de matériaux, ça peut être aussi rond une table, ça peut être ça peut être n'importe comment une table, ça peut faire un angle, ça peut, bref, il n'y a pas de la bonne façon de voir les tables. Et puis, si vous allez vous taper le mot table sur internet ou vous allez voir les vidéos sur les images sur Google Images de la table, vous allez avoir des milliers de tables qu'on appelle table, mais il n'existe pas une table, il existe des tables, et si vous voulez maximiser votre idée de la table, il va falloir, pour avoir une idée acquise de la table, un peu voir tout ce qu'on peut faire dans l'ordre des tables. Un jour, on aura peut-être des tables plus en bois, mais je sais pas, avec un champ de force, enfin des trucs qui n'existent pas encore, mais peut-être, pourquoi pas, ou une table dans laquelle on pose son iPhone, et puis, j'ai vu ça d'ailleurs sur internet, on pose son iPhone, et puis on peut, avec cette table, comme un ordinateur, avec ses doigts, ou un iPad, travailler et utiliser les informations sur la table, peu importe en quel matériau elle est faite d'ailleurs. Avec cette table, on peut l'utiliser comme un ordinateur quand on pose un smartphone dessus, enfin bon, des tables, il en existe, pas une. Mais quand on va se mettre à réfléchir, par exemple, comme je vous ai dit, essayez de théoriser ce que vous allez faire demain. Vous imaginez sans doute que demain, vous allez rentrer à la maison, vous allez, je sais pas, vous faire une salade, je sais pas, ouais, avec des œufs, avec des tomates, et puis un peu de mozzarella, enfin, peu importe ce que vous allez vous faire, ça a l'air délicieux déjà, rien d'y penser. Et vous allez poser votre plat sur la table, et puis ça. Quand vous réfléchissez comme ça, vous utilisez des idées théoriques. Vous n'utilisez pas,
enfin, vous utilisez a priori la table qu'il y a chez vous, mais quand vous construisez une journée, votre journée de demain, vous utilisez tout un tas d'idées théoriques, d'idées pures. L'idée pure, c'est l'idée pure de l'arbre, l'idée pure de la table, c'est des idées qui sont absolument pures, c'est-à-dire qu'on maîtrise complètement. C'est-à-dire que c'est des idées qu'on utilise à un niveau théorique qui nous permettent de réfléchir sur la réalité du monde, sur quand on essaye de. Par exemple, si vous êtes un général de guerre, vous essayez d'utiliser l'idée pure du soldat. Alors évidemment, ça se passe pas tout à fait comme ça sur un champ de bataille, mais quand vous étudiez l'art de la guerre, on vous parle d'un soldat, vous imaginez dans votre esprit l'image d'un soldat. Mais cette image est pure. Vous imaginez pas le soldat, un soldat. Vous imaginez un soldat pur, c'est-à-dire capable d'aller mourir à la guerre. Vous imaginez pas un soldat gros et feignant, incapable de se lever. Vous imaginez l'idée pure du soldat, c'est-à-dire cette entité, cette chose, cette forme, cet homme, et même plus clairement cet homme souvent costaud et qui sort d'un moule qui est celui de l'armée, eh bien ce soldat-là, il va, quand vous pensez la guerre, vous pensez un assaut, vous pensez je ne sais pas ce que vous pensez, eh bien vous allez utiliser l'idée pure du soldat. Vous n'allez pas utiliser un soldat particulier, ou vous n'allez pas vous mettre à philosopher sur le rôle d'un soldat dans l'armée, vous allez utiliser, quand vous réfléchissez, une idée pure de soldat. Et ça, c'est très important parce que quand on réfléchit à un niveau plutôt scientifique, on a tendance à oublier plutôt qu'on utilise des idées pures. L'idée pure de la justice, l'idée pure de l'amour, l'idée pure de... Vous utilisez aussi toute la journée, quand vous réfléchissez, des idées pures. Et ces idées sont intéressantes parce qu'elles sont absolument pures et on peut, par leur pureté, les lier les unes aux autres. Exemple, quand vous prenez l'idée d'un soldat, vous imaginez un soldat à côté d'un autre soldat, à côté d'un autre soldat. Vous n'imaginez pas qu'il y ait un soldat gros, puis un soldat tout maigre et un soldat avec une jambe cassée et qu'aucun des trois n'est capable de se battre. Vous imaginez trois soldats parfaitement en parfaite condition, capables de se battre, etc. Et quand vous réfléchissez dans le monde de la théorie, vous n'imaginez pas le réel tel qu'il est, vous imaginez une idée pure qui va vous permettre, parce que cette idée est pure, de construire et de faire des liens avec d'autres idées. Parce que si vous mettez imaginer un soldat, au lieu d'imaginer l'idée pure de soldat que vous allez pouvoir connecter avec un champ de bataille, que lui-même vous voyez sur une carte, etc., etc. Eh bien, si vous mettez à imaginer un soldat gros, puis enfin tout un tas de soldats différents incapables de se battre, vous n'allez pouvoir rien connecter dans votre esprit parce que à chaque fois vous allez dire oui, mais cette idée de soldat n'est pas bonne parce que en fait ça c'est un soldat à qui il manque une jambe, donc ça je peux pas utiliser cette idée-là. Vous allez bien sûr pas utiliser l'idée du soldat à qui il manque une jambe. Vous allez utiliser l'idée du soldat qui est capable de se battre. Et même si tous les soldats dans votre armée sont pas capables de se battre, vous faites abstraction de la réalité. C'est très important. Vous sortez un peu de la réalité. Vous sortez aussi d'un monde que vous ne contrôlez pas complètement. C'est-à-dire, vous rentrez dans le monde de votre esprit, dans lequel il y a des idées pures et que vous maîtrisez parfaitement. Et dans cette idée-là, dans ce monde-là, que vous maîtrisez, que vous contrôlez et avec lequel il y a que des idées pures, c'est-à-dire utilisables, eh bien, ces idées, vous allez pouvoir les connecter les unes avec les autres et n'oubliez jamais que ces idées-là sont des idées pures ou des idées théoriques. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les idées. Je vais en faire une juste après, là. Je vais continuer un petit peu sur les idées pures et le problème qu'on a quand on manipule les idées pures, surtout en politique. Et puis après, je vais essayer de faire un petit passage dans lequel je vais parler de la façon dont on peut travailler avec les idées. Donc voilà, prochaine vidéo, deuxième partie sur les idées.